Je n'ai pas encore fini. Et non, quoi, j'ai mangé. Comme non, quoi, mangé. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je vous ai dit que ça là, vous voyez comment mon visage commence à être un peu comme c'est là, non. Attendez. Attends une minute, j'ai mal aux yeux. Et tu as fait quoi quand tu as mal aux yeux? Ah! Regarde! Bah, et Namungo, va faire ton coloriage là-bas. Tiens ça! Hey, Namungo, laisse-moi! Dépêche-toi! Maman, tu vois ce qu'on te voit, hein? Va d'abord regarder toi, va colorier. Canou, tu peux me ramener. Tu as vu, tu as touché les cas ne doivent pas toucher l'eau, tu sais très bien. Moi, t'as venu un peu pour pleurer. Laisse-moi, va là-bas. Non, oui, va là-bas. Je veux finir avec les barbecues aujourd'hui. Ah. J'ai décidé que aujourd'hui c'est le jour. Oui, l'enfant, c'est. Les barbecues, venez, on va finir ensemble. Je ne veux pas qu'on finisse avec vous. L'enfance me commande ici. J'ai dit que les bamiéké venez. Allez, vas-y, va faire ton colorier. Tu me coloris, tu coloris, tu vois mon visage et tout. D'accord? Vas-y alors. C'est très joli. Vas-y. Tout le monde te voit. Les cœurs pour Namoué. Vas-y là-bas, je vais finir les bamiéké. Appelez-moi les bambiéké ici. Vas-y. Ok. Tu sais que si tu es dans ma chambre là, tu ne peux pas venir dans ma chambre non. Arrête! Oh. L'enfant, c'est pas pour son jouet. Vas-y. Ok. L'enfant, c'est. Ok. Bon. Écoute, on va faire un petit jeu. Oui. Qui est très dangereux pour toi parce que je vais te taper. Allez, vas-y. Maintenant. Câlin. Non, pas de câlin. Ouais, je pense que tu joues trop avec moi. Câlin, avec moi. Je fais à manger, je fais tout. Allez. Câlin. Mais les bamiékés venaient un peu. Parce que dans la vie ici, moi je peux me vanter. Moi chez moi ici, j'ai des habits à Oussa. Moi j'ai grandi au nord. Je peux parler un peu à Oussa. Oui. Je peux insulter à Oussa si je veux. Mais comme les Oussa sont prestigieux, ils arrivent à se bien par les réseaux sociaux. Ils arrivent à son jean. N'est-ce pas? Je suis boulot. Et chez les boulots aussi gardent leur dignité comme quoi les supérieurs, ça. C'est ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ici. Il n'y a pas tout. En dehors, les boulots qui viennent mentir leur vie dans les réseaux sociaux,
celles qui mettent les Photoshop, celles qui mettent qu'elles sont aussi, debout, ne même pas se voir. Debout, il y a quelqu'un qui est très humble et très effacé. Il n'y a que moi qui vais me salir, même les images là. Mais comme je m'en fous d'eux alors, n'importe quoi dans le tout, je m'en fous. Les doigts là, ils sont dans leur tout là. Regardons alors, on efface un peu tout ça. Les qui font le bordel. L'ambassade, les casseurs d'ambassade, partout. C'est toujours eux. Et on ne doit pas parler. Hein? Les réseaux sociaux, ils sont remplis. Et quand tu vas parler, on va dire, oh, tu es jalouse de Bamiki, maman. De quoi? Vous avez les... Vous avez les conçus chez vous, je l'ai dit. Mais attends. Moi, je suis fier de ce que je suis aujourd'hui, non? Je suis fier de ce que je suis Samuel, de ma mère, de Samuel, oui. C'est le Cameroun, hein? C'est le Cameroun pour tout le monde. On est d'accord? Mais attends. Les Douala, les Bassa, quand ils sont au Cameroun, ils vont chez eux, aider. Moi, je leur dis, mais vous atterrissez où? À Douala ou à Yaoundé et tout? Et vous osez porter le ndop. Vous allez oser quoi? Ah ben dis donc. Le ndop des réseaux sociaux. Le ndop des soirées. On ne vous voit jamais chez vous à l'ouest. Le ndop. Il faut les voir avec le ndop. Parce que vous n'entendez pas entre vous. Vous voyez, moi je m'en fous. Hein? Je rigole seulement quand je vous vois. Hein? Dans les tontines ici à Paris. Les bangatés ont leur tontine. Les bafoussins ont leur tontine. Les banans, tout le monde a son tontine. Ici. Eh oui. Mais ils sont tous de l'ouest. Ah oui. Ils ne s'attendent pas, hein. Eh oui. Là-bas, c'est la zizanie. La zizanie. Je vous le dis aujourd'hui. Les bangatés, les bamiliqués, arrêtez votre l'hypocrisie que vous êtes bangatés, vous ne vous entendez même pas. Maman, qui? Bah, vous savez, pardon, je ne m'en sors pas avec vous. Bangatés, alors que nous, je suis boulot. L'autre est, Ono. On s'entend déjà. Le patois, même s'il y a quoi. Moi, tiens. Voilà que vous êtes banniqué. Les bangantés n'entendent pas ce que le Bafoussam dit. Le Bafoussam n'entend pas ce que le Chang dit. Les gens n'entendent pas ce que le. Comment. Le Bafan dit. Et vous allez dire que quoi? Vous êtes quoi? Oui. Nous, au moins. Quand vous les conseillez, je ne vais pas entendre ce qu'on dit. Vous êtes là comme ça. Ici à Paris. Périgord, c'est un baganté. Ami, intime. Ton team, c'est pour qui? Baganté. N'est-ce pas? Il faut voir les autres là-bas. Mais ce jour que, quand les camps attaquent un bambéqué, que tout le monde porte le dop. Bam. Comment on appelle ça quoi? Bambéqué, bambéqué. De quoi? Des hypocrites. Des hypocrites. Ah oui. Oui, oui. Moi, je vous dis ça. Alors. Même les petits villages ne s'entendent pas avec tout le mec. On est où ici? Vous vous détestez jusqu'à. En tout cas, une comme moi, je vous dis souvent une chose, c'est que moi, j'aimerais que votre ndop vous portez là. L'ndop. Vous savez, j'ai ça depuis des années. Hein. Moi, j'ai le ndop ici. Hein. Avant même que les histoires s'y sortent, j'ai ça ici. En tant que boulot, j'ai ça ici. Maman, le ndop est devenu que même les gens, les enfants qui sont nés ici, qui ne sont même jamais allés au Cameroun, qui ne connaissent même pas là où leurs parents sont enterrés, ou bien ils ne connaissent même pas. Ils ne connaissent même pas l'Ouest. Bamiliki, c'est Bamiliki.
Ah ouais. Les vrais Bamiké de l'Ouest, ce sont les qui? Les Bamenda. Les Bamenda sont les vrais Bamiké. Vous dites, ah, mais vous êtes venus travailler chez les Bamenda. Vous voulez que je vous sois votre histoire? Hein? Les vrais Bamiké, ce sont les qui? Les Bamenda. C'est eux qui ont l'Ouest. Moi, j'aime vous parler. Vous de Genèse. Vous avez vu les filles Bamenda dans les réseaux sociaux. C'est la vie dans le pays. Yes, ça. Je me dégage sur ma poche. Vous faites rien. Les Bamenda vont nous dépasser avec quoi, moi? Dieu se gêne. Non, ça fout qu'on ne dépasse. Une comme moi, je m'en fous. Mais, tu sors d'où? Ce sont les Bamenda. C'est eux, les vrais Bamenda de l'Ouest. C'est eux l'Ouest. Vraiment. On s'en fout. On ne dépasse ou pas. Moi, une comme moi, hein. Ça me donne quoi? On me dépasse ou pas? Quand j'ai commencé vos bêtises là, ils ont sont où avec vous? Ils ont dit que pardon, allez loin. Les plus riches de Grèce sont les qui? Les Bamenda? Insultez-moi si vous voulez. Ouais. Ouais, il n'y a pas de les bêtises, parce que là, il y a un problème là, c'est vous qui? Oh! Et là, mon goût est où? Oh, laissez ça. Moi, j'ai titi un peu. Vous n'aimez pas la vérité. Il y a celui-là qui. Il y a. Vous tous là, il faut les voir dans les réseaux sociaux. Voilà Malox. Il est tchan, non? Pourquoi ne pas les construire sa maison, la villa, la tchan? Faire sa maison là-bas, tchan, pour développer tchan. Malox, c'est un grand artiste. Il a des potentiels. Il faut aller construire sa maison là-bas, tchan. Avec la piscine et tout, et les champs, voilà, ils pouvaient attirer, le, comment on appelle ça? On les appelle comment là? Les gens pour venir voir, visiter Tchanon. Ah, voilà. Le tourisme, Malox pouvait le faire. Voilà, vous ne réfléchissez pas. Malox, il a conçu où? À Douala. Ou à Yaoundé, je ne sais pas où, d'accord, c'est sa ville. Oui, piscine. Alors qu'il pouvait aller où? À Tchang. Comme les Tchang, on dit que les Tchang. Construit la villa là à Tchang. Fait les petites maisons à côté. Les gens allaient sortir de Yaoundé, de Douala. Ils organisent des petits événements. Les gens allaient connaître aussi l'Ouest. Mais vous êtes bêtes. Vous voyez seulement chez nous. Vous êtes intelligents, vous. Vous n'êtes pas intelligents. Si j'étais comme Malox. Quand vous saignez, tu entends que oh, les gens marchent dehors par catégorie. Voilà. Voilà le moment de faire connaître le Sud-Ouest. Vous venez combattre les écans chez eux, les bois chez eux, alors que vous avez toutes les opportunités pour développer l'Ouest. Voilà le problème. Voilà ma langue, ils pouvaient faire. Quand ils construisent la maison, voilà, ça. Il construisait à Tchang. Il faisait des vidéos là-bas avec sa femme. Nous avons des personnes du quartier. Nous tous, on serait curieux d'aller aussi dire que bon, on va aussi à Tchang. Rien. Vous ne développez pas l'Ouest. C'est chez nous quoi que vous voulez développer. Et vous nous parlez fort. Nous, on s'en fout. Nous, on boit le vin. Bah oui. Pourquoi pas? À Facebook, moi, je vois ce que vous ne voyez pas. Nous aussi. Le Cameroun est divisé, c'est marche de quoi? Hey! Il y a quoi qui est caché par l'Ouest? Moi, je vous parle. Tu vois les gens, ils ont des grandes villas. Allez là-bas. Nous aussi, on vient. Bah, ça me fera plaisir quand même de découvrir un peu l'Ouest. Ah oui. Ah oui.
découvrir un peu, et puis il y a les ressources naturelles là-bas, il y a les chutes d'eau, je connais un peu l'ouest, c'est tout, c'est très beau, c'est nettoyant. Nous aussi, on a encore fait les pèlerinages là-bas, quand on était au Cameroun, à côté. Vous voulez quoi? Les Tutsis? Jamais. Aucun mamie que les Saïs et Tutsis. Moi, je vous parle. Vous ouvrez vos cœurs. Alors. Il y a un recrutement. Mais allez aussi à l'ouest. Nous sommes à l'ouest. Pourquoi un côté? Nous sommes à besoin d'aller aussi à l'ouest. Découvrir un peu les chutes de la Nouvelle. Avec les chutes de Bézabazabaza. La Nouvelle sera crimée pour moi. Les chutes de Bézabaza. Il y a les grandes chutes là-bas. Nous sommes, nous aussi. On est aussi allé un peu chez vous. C'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun gagne un côté. Ngaïou, vous de champion là, déchu là, il a fait quoi? Il part, il monte sur l'ouest. Il est chez lui à l'ouest. Et pourquoi pas vous? Il n'y a que le top. Eh, la main dans la main. Oui? Non, il n'y a pas quelqu'un pour la femme-ci. Je vous ouvre les yeux. Je ne suis pas tribaliste, non. Ce n'est pas le tribalisme, non. Non. Il n'y a pas de tribalisme là. Non. Je ne veux pas venir. Pourquoi vous venez chez nous? Nous aussi, on aurait dû aussi aller là-bas chez vous, non? À Bananté, à Bafou, à Bafoussam. Quand ça ne va pas, ça devient que tu es tribaliste. Non. C'est comme vous, non? Gagne, nous fait quoi? Quand on arrive au pays, il fait quoi? Directement à l'ouest. Même si ne demande pas grand-chose, mais il est chez lui à l'ouest. C'est ça. Valoriser sa culture, valoriser sa tribu. Eh oui! Regarde, il le fait tout le temps avec sa mère. Dans la cuisine, il prend les tout. Voilà! Nous, on voudrait bien vous voir. C'est ça. Maintenant, ça te dit que vous êtes. Je ne suis pas tribaliste. Non. Pourquoi? Quand vous portez votre ndob là, le ndob représente quoi? L'ouest? Bien faux! Quand je porte mon maïkan, c'est les écarts, non? Il y a où des recrubis après ça? Oui? Quand ça vous. Non! Parce que vous avez mal. Vous avez le manioc. Il n'y a pas question de tribalisme. Allez, sinon. Nous sommes bien découvrir Tchang et tout ça. Hein? L'ouest, on devrait bien découvrir aussi. Non. Vous êtes collés à Yaoundé. Les villages et tout, c'est où? Alors, il faut nous respecter. Vous nous voyez chez vous. Parce que vous savez que si vous, vous allez créer vos grandes villas là-bas. Qui va venir payer vos tomates là-bas? Il faut nous respecter. Nous, on paye vos tomates. Au marché, on fait comment? C'est nous qui payons vos tomates. Tu as rien à dire, un bangaté venu payer, un bangaté payer le tomate de l'autre nous. Il vient, c'est pour ça, un gars, et qu'on s'avait tout là, et passe. Nous, on paye. Nous sommes vos locataires, vous payez nos terrains. Nous sommes vos locataires. Mais le manque de respect de ça, non. Alors, attends. Sans les quoi. Vous savez où? Ben oui. Sans l'inquoi. L'inquoi que vous décidez aujourd'hui. Sans nous, vous savez quoi? Vous nous dites? C'est l'inquoi qui paye vos loyers. L'inquoi, vous font tout. L'argent l'inquoi qui vous donne riche. Alors. À Bangante, à Bafoussam, là-bas, chez vous, le pays Bangante, avec votre ndob là, on va voir qui va payer pour l'autre. Échec total. On va voir ça. Quand je parle comme ça, on dit, elle est tribaliste. Je ne suis pas tribaliste, je dis la vérité. Bonjour. On est éducateur chez nous. Mais oui, aucun respect. Vas-y. Oui. Maman, les locataires, maman. Et vas-y. S'il te plaît. Vas-y.
Allez, si tu fais comme ça, allez, on va au coin. Hein? On va au coin. Alors, tu n'as même pas quoi étudier. Tu as vu ce que tu as fait là? Tu as vu ce que tu as fait? C'est pas bon, hein? Voilà. Voilà. Tu dessines, non? Tu me dessines. Donc, tu dessines, mamie. Non, 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 mais voilà, s'il n'y a pas quelque chose que. Hein? J'ai dit la vérité, il faut qu'on parle. Je serai pour vous dessiner. Laissez ça. Je vous dis la vérité que les banques qui sont chez nous là, chez les quoi? Ce sont les gens qui n'ont pas de terrain chez eux. C'est vrai? La main, 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 c'est où? Vous avez envahi toi là? Maman, on appelle ça comment là? Le cachet, qu'on appelle le cachet. Maman, cachet, banga, t'es bagé! Vous fuyez quoi là-bas à l'ouest? Il y a quoi là-bas que vous fuyez à l'ouest? Vous nous envahissez, vous envahissez les étangs, vous envahissez les quoi? Pourquoi les Bamlékés? Le Cameroun, non? Pourquoi le Cameroun en côté? Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir pourquoi le Cameroun d'un côté. Il y a quoi là-bas? Vous fuyez quoi là-bas? Vous fuyez quoi là-bas? Question. Vous avez tellement l'argent, vous avez tout, vous gouvernez. Mais allez gouverner aussi, pas à l'ouest, non? Ouais. Allez gouverner à l'ouest. Ouais, allez gouverner à l'ouest, on voit. Ne posez pas la question que les gens se disent comment. Quand tu parles comme ça, hey, tu as quoi? Hey, dis donc. On dit que l'ouest, est, centre, sud, comment on appelle ça? Nord-ouest, nord, d'abord, je dis que c'est là. Pourquoi c'est toujours quelque part? Au nord, vous êtes rempli là-bas. Au sud, vous êtes rempli. On veut savoir, vous fuyez quoi là-bas chez vous à l'ouest? Eh oui. Et si ce n'est pas le tribalisme, hein? On vous pose la question là. Vous fuyez quoi là-bas? Vous nous envahissez dans nos villages, dans nos trucs et tout ça. Vous avez vu chez vous? Invitez-nous aussi chez vous. Parce qu'il n'y a pas de doublé. Le doublé arrive où? À Yaoundé. Rien que chez les quoi. Vous voyez pourquoi les quoi sont fiers? Construisez vos immeubles. Nous, on va dire que c'est pour nous. Ah, ça. Je vous pose une question, que c'est quoi? Je suis cubienne, je suis ça. Mais et alors? Vous sortez d'où? Vous donnez dans les réseaux sociaux? Vous donnez dans ce moment que vous êtes bamlékés alors que vous ne pouvez pas vous sentir entre vous? Hein? Solidarité de quoi? Les réseaux sociaux? Alors que vous bouffez entre vous? Oui. Mais je crie, je vous parle. Allez, allons, pour nous. Oh. Nous sommes voir un peu Bafoussam. Mamie, je t'ai fait. Oui. Comment je t'ai fait. Oui, on y va, d'accord? Ok. Tu vas, on y va. Je dis que je ne veux pas entendre ça. Que oh! Mais après, c'est
Non, pas ça. Tu parles de ton chose parce qu'il fait froid. Oh, 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 oh. Non. Va mettre un écran pas. Wow. Allez en cause. Pourquoi en côté? Ouais. Et fait. Moi, je m'en fous de jouer, hein. Hein? Je me repose, mais je me repose pas. Voilà, va mettre ça. Je me repose pas. Vous n'avez pas la vérité. Je suis de Saint-Mélima. Vous sortez d'où? Il n'y a pas votre double ici à Facebook. Vous voyez votre double ici. Il faut le voir un double là. C'est même pas porter un double. Moi, je pose un double depuis des années. Le vrai double. Mais voilà le problème. Et Facebook, moi, c'est maintenant toute la soirée. La soirée d'un double. Depuis qu'il y a eu l'histoire de Rebozaza, d'un dame de quoi, dis donc. Vous avez conçu où? Celui-là qu'on appelle Ousseng Gayan qui avait dit qu'on va tuer les boules là. Il a conçu où? À Yaoundé. N'est-ce pas? C'est quoi vos histoires? Vous construisez tous dans les régions qui ne sont pas vos régions? Quand vous êtes trop tribaliste là, vous devez parler à vos joyeuses, moi j'ai comme ça sans humain. Hein? Oui. On ne dit pas que ne construisez pas n'importe où. Mais et alors? Vous aimez tellement, je suis babiléqué. Vous parlez aussi de babiléqué avec quoi? Allez, on peut faire vos rites là-bas. On vous voit aussi là-bas. Quand vous arrivez, c'est à voir là qu'on fait les rites. Hein? En route là. La main dans la main. Ils coupent les routes. Les babiléqués coupent les routes à toi là. Vous ne partez pas dans vos villages faire ça. On ne voit jamais aucun babiléqué dans les villages faire ça. Ça se met dans les stades à Douala, là, Yaoundé, pour tourner là. Et quand on filme encore qu'ils sont au village, alors qu'ils sont à Douala, ça c'est une vie ça. Parce que c'est les primitifs. Moi je ne veux pas, je m'en fous. Parce que ce que vous voulez faire là, vous prenez que les filles et quand vous les exposez dans les réseaux sociaux pour qu'elles soient les prostituées avec les. Non! Alors là, vous et moi on commence. Quand vous les voyez dans les gens là, dans les. Avec les trous dans les petits. Il y a les petits. Les bananes là. C'est à Douala, hein? Dans les petits villages de Douala là. Qui font leurs choses là. Ça n'a jamais été là-bas à Bamaté. C'est à Douala. Leurs choses que vous voyez à Facebook là. Que vous voyez là, c'est à Douala. Ce n'est pas dans leur village. Ils montrent que, oh, on va à l'ouest. Tu ne vois jamais personne à l'ouest. Tout le monde a peur d'aller à l'ouest. Allez, non. Vos crânes vous attendent là-bas. Vos crânes. Vous savez, non. Quand vous voyez à Facebook, là, les villages qu'on monte, vous savez qu'au niveau de Douala, il y a les petits, il y a les petits quartiers qui sont un peu plus. C'est là-bas qu'ils partent faire des petits villages. Ils partent voir les chefs du quartier. On donne peut-être 50 000. Il est content. On les laisse, comme il y a souvent les petits forêts là à côté, les banniers partent là-bas faire les tout là. Pour montrer qu'ils sont au village. Tout est faux. Faux. Et nous, on croit qu'ils sont au village. Ce n'est jamais au village. Ça se passe à toi là. Vous n'avez pas là-bas. Moi, je vous parle. Je vous dis que si mes soeurs et quand, elles se taisent, c'est leur problème parce qu'elles ne sont pas comme moi. Non. Ils n'ont pas trop vécu. Ils ne connaissent pas les trucs. C'est ça. Moi, je connais. Je vous dis que quand on voit les banniers, que la lettre, ça se passe à toi dans les petits villages là. Comme peut-être pour mon nom. Oui, pour mon nom. Pour mon saint village. Ah oui. Il passe là-bas, il passe faire des choses à Bouni là-bas. On dit qu'on était à Bagaté. Quel Bagaté? Vous n'avez pas de laisse, pourquoi? Hein? Quand on parle que. Elle est. Quand vous portez votre ndop, respectez le ndop. Le ndop, c'est l'ouest. On ne vous voit jamais à l'ouest. Vous vous arrêtez où? Au centre. Ou à Douala. Donc, tenez vos gueules. Il faut les voir. Quand elles montent leur cul là, avec leur doc là, la con là. Allez-y. Moi, j'aimerais bien voir une vraie mannequin à l'ouest. Filmer, oui. Oui. Oui, porte avec les choses. Oui.
Bon, va porter là-bas. Non, attends. Hein? Non, mais c'est vrai. En cause. Vous êtes tous là. Dites à vos gens qui vous suivent la paix. Hein? Les tous les gens qui vous suivent la paix, c'est que c'est à l'ouest. Il faut valoriser l'ouest. Hein? Vous ne valorisez même pas l'ouest. Vous êtes là, Facebook. C'est quand il y a des problèmes avec les autres ennemis du pays, avec vous, que tout le monde se dit la main dans la main. Non. Ah oui? Vous, maman? Allez, pas vous fouillez pas là-bas. Moi, j'instaure vraiment le respect. Pas vos choses là. Dis donc. Mais c'est vrai. Maman, il faut les voir. Même les gens qui n'ont jamais porté le dop. Portez le dop. Mais vous, quand vous descendez du Cameroun pour en Europe et tout, elle est nue, quand ça va, vous descendez où? Pardon. Il y a un bafou, ça, mais vous partez. Mais t'as trouvé l'autre comme ça? Va chercher l'autre, va chercher partout, partout. Allez, où? Ça, c'est ça. Va chercher. C'est ça. Mm. Il y a un bafou, ça, mais. L'avion de Fosso Victor occupe à bafou, ça, vous pouvez le penser, hein? Moi, je parle. Peu importe. Je ne suis pas tribaliste, mais parfois il faut voir les choses comme. Les envahisseurs, Naya. Naya. On les a envahis partout. Alors que l'Est, l'Ouest est dévoyant. Vous fuyez quoi là-bas pour nous envahir? Il y a quoi l'Ouest pour. Non, mais il y a un problème. Pourquoi vous fuyez l'Ouest pour nous envahir? Non seulement que vous nous envahissez, et en même temps, vous nous manquez de respect. Nous sommes vos clientes. On vous vend nos terrains. Oui, on vous vend notre terrain, n'est-ce pas? Et après, on devient encore vos locataires. On paye vos tomates, vos oignons et tout. Respectez-nous quand même. Les poissons, les qui? Sont les qui? Je suis quelqu'un. Moi aussi, découvrir. Parce qu'il y a tellement à faire, vous. Les valeureux, les gens de l'Ouest sont nobles. Et les gangs, ça, ça, ça. Nous sommes, allez construire un peu chez vous, nous sommes bien aller visiter un peu. Christa aussi, pas là-bas, elle doit construire la maison aussi. Nous sommes allés, malheureusement, ça a construit la villa là-bas. Nous sommes allés là-bas. Mais attends, c'est quoi? Parce que vous ne pouvez pas. Vous êtes encore dans le régime de la royauté. Oui, parce que là-bas, c'est un royaume. Oui. Si ton père n'est pas, on appelle ça comment là? Si ton père n'est pas le subalterne du roi là, vous ne pouvez pas. Ben oui, vous ne pouvez pas consommer. Alors que vous, c'est un endroit, maman. Ami, je prends ça. Oui. Vous ne pouvez pas. Donne, laissez-les calmes. Tranquille. On vous respecte. Respectez-nous. Et si je parle, ce n'est pas question de tribalisme. Mais il y a un tribalisme dedans. Parce que. Le pipi. Vous n'avez jamais écarté son cul ici à faire. Mais chez les écans, que vous écartez. Je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord. Moi, je vous dis que non. Oh, c'est trop. Si mes soeurs et quand. Moi, je n'ai pas peur de vous parce que je m'en fous de vous. Je m'en fous. Vous connaissez, j'en ai rien à foutre. Je vous dis souvent une chose quand même. Nous sommes nous aussi arrivés par l'Ouest. Maman, vous avez quoi, rien, les chambres reportent. Mais vous venez chez nous. Nous sommes au Cameroun, non? C'est Cameroun qui gagne, non? Alors. Quand votre gars ou la gagne, il va épuiser sa force à l'ouest. Chez la cuisine de sa mère. Vous partez où? Vous atterrissez dans les deux maisons que vous avez construites au Cameroun, ou c'est à Mazabazabaza, vos grands quartiers là. C'est chez vous? Non. C'est chez l'emploi. Mamie, tu peux m'aider? Oui, un amour. Je vais m'appeler ça, c'est moi qui vais m'appeler ça. Tu n'as jamais écouté ça. Oui. Ah. Mais c'est vrai. Maintenant. Vous voulez finir. Oh, je voulais finir avec vos jours. Pour vous dire qu'une chose qu'elle aime, les Waros. Tu peux m'aider. Mais
Assois-toi, tu mets un pied. Oui, mets un pied. Attends, je vais enlever le truc. Oui. Tu vas vraiment déranger. Ah ouais. Oh, bravo. Eh, t'as pas acheté ça, tu avais même quel âge? 3 ans et demi. Bah oui, 3 ans et demi, qu'il est gentil. Elle n'a pas dit que non. Que quel son de machin. Vous embarrassez les gens jusqu'au... Maman, tu dois faire pour du village, ils sont là. Vous fuyez quoi là-bas? Nous, on aimerait bien aller. Regarde par exemple, au nord, Garoua, Marouata, Batan, au nord du Cameroun, bah, le monde et tout. Il y a des gens pas de visiter là-bas, non? On visite l'ouest, on l'est, on visite le centre, le sud, on ne visite jamais l'ouest. Il y a quoi là-bas pour cacher quoi? Moi, je veux demander. Maman, j'arrive pas de mettre l'autre là. C'est où? Il est là. Ah, ouais, il a mon vœu. Tout le monde, je vais laisser après. Hein? Ça va pas. Bah, allez, si. Vas-y. Lève-toi. Ok. Vas-y. Tu as déjà dit bonjour, c'est pas. Ah non, le tout c'est bon. Va prendre ton manteau, on va y aller. S'il te plaît, vas-y, prends ton manteau. Non, je te dis, quand je dis non, c'est non. D'accord? Quand je dis non, c'est non. Va le voir, c'est bon. Tu as tout le temps. Non, parce que quand on parle. Oh, la goguée. Non, ce n'est pas une drogue qui parle, je vous parle, je vous pose la question. Posez-vous des questions comme vous-même. Oh, je suis né à Douala, une bannière que je suis né à Douala. Mais pourquoi vos parents ne vous ont pas amené, étant petit, au village? Parce qu'ils savaient ce qui se passait, que si ils vous amenaient au village, il y a quelque chose qui va se passer. Ils m'ont pas rien. Bah oui. Oui. Vos parents même, vous ont, maman. On vous a évité beaucoup de choses. Au lieu alors quand vous venez chez nous, de venir chez tout et tout, on nous respectait, vous venez commencer à nous dire, hey, les Camerounais appartiennent à tout le monde. Les Camerounais appartiennent à tout le monde, oui. Mais un côté seulement. Non. Pourquoi un côté? Le côté là qui est bédouin, là, il y a quoi là-bas? Mais avec. Oui, les Camerounais. Moi je m'en fous, hein, moi je parle. Regarde, j'ai marqué ici à Facebook. On protège certains gens ici. C'est bon, regarde. Oui, on va la poser. Tu es très jolie. Non, c'est serré. Non, c'est serré. Non, j'ai pas parlé. Mais c'est serré. Mais oui. C'est serré. C'est serré? Oui. Ok. Allons chercher alors le petit. C'est quoi? Oh mon. Hein? Je suis une babiété. Votre double là, vous faites en train de tourner ici avec dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Hein? Les vendus. Maintenant, vous n'arrivez plus à aller parce que vos parents vous ont protégé. Alors, vous devez nous respecter, les quoi? Les quoi, les écrans et tout ça? Vous nous respectez. Nous, on vous aime, on vous tend la main. Ça, c'est mon cousin. Donc, ça suffit maintenant. Mamie, on demande le respect. Ça, c'est mon cousin, il m'a prêté. Ton cousin, ok, c'est très joli. Il s'appelle Leroy. Il m'a prêté et après je le redonne. Ah oui? Demain je peux le redonner. Hein. Uh-huh. Bien sûr. Leroy. Il est beau, Leroy. Allez, va là-bas. Donc, non! Vous aimez tout tourner ici à Facebook quand tu vas parler. Allez, on doit hey! Nous aussi, on aimerait bien aller. Regardez, les motos à Douala, les filles pour les motos, les taxis, partout.
Vous envahissez tout. Mais pourquoi nous, on ne peut pas envahir là-bas? Envahir là-bas. Parce que vous n'avez pas l'opportunité d'aller là-bas. Vous êtes encore soumis à une royauté. T'as le roi, t'as ceci, t'as le bazabaza. Et dit, c'est ça. Vous ne pouvez pas construire là-bas sans avoir l'approbation. Hein? Vous percevez quoi là-bas? Les cacao, les cafés, les prix là? Ben oui. Dans la vie, quand quelqu'un t'ouvre la porte, il faut respecter la personne. Vous ne respectez rien du tout. Le mépris de ça. Nous, on s'en fout. Que les barricades construisent dans tout le Cameroun. Construisent les hôtels, les plus beaux hôtels. C'est vous qui avez tout. Et ma Facebook, c'est vous qui avez Facebook. Et vous ne respectez quand même. Vous habitez où? Quelqu'un qui a dit que je suis Bamiyeke, mais j'ai conçu à toi là. Tu es Bamiyeke, tu as conçu chez un quoi? Et tu parles fort en quoi? Hein? Même pas honte. Vous voyez? Moi, je suis comme je suis. Tu vois, je pense que je suis Bamiyeke, je suis Boulou. Je suis parti con. Non, non, non. Nous sommes ici à Paris. Mamie, j'ai pas froid. Vous avez entendu un auvergnat qu'il a conçu ici. J'ai pas froid, j'ai pas froid. T'as pas froid? Non. Quand tu n'as pas froid, on va sortir, n'est-ce pas? Attends, je prends ma basse. Mardi. Il va dire j'ai ma maison. Le blanc dit j'ai ma maison à Paris. J'ai ma maison à Paris. Vous savez que j'ai conçu à Paris. J'ai conçu à Beta. On dit j'ai ma maison quelque part. Vous ne comprenez pas ça? Il sait que non. Si c'est un Auvergnat, il va dire non. J'ai conçu à Auvergne. Chez moi. Ils sont fiers. Hein? Merci. Ben oui. Merci. Merci, merci. Vous savez que j'ai conçu, j'ai l'immeuble. Non. Non? Le gars peut-être que j'ai un appartement à Paris. J'ai un appartement quelque part, ouais. C'est tout. Vous, comme vous voulez la concurrence. Parce que quand quelqu'un a conçu l'immeuble au Cameroun, on dirait que tu as conçu ça où? Vous aimez tellement les Bamiyeke, que vous aimez tellement votre région de Bamiyeke. Allez alors construire. Ouais. Maman. Vous c'est dans. Non, non, non. Vous c'est dans là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Ah. Tu déranges tout. Mais oui, allez alors construire un peu là-bas chez vous. On voit un peu. Mais oui. Mais oui, c'est quoi? Bah, qu'est-ce que c'est? Non, j'ai des secondes aujourd'hui, là, j'ai fini avec vous. Mais oui, je m'en fous que vous allez dire c'est bon, je m'en fous. Ouais, laissez, moi je parle de papa ici. Si vous voulez vous parler, moi je vous dis la vérité que je m'en fous. Ah, je ne suis pas dans vos choses là. Je n'ai pas, je n'ai appelé personne ici. Je parle pour finir parce que j'avais la rage au cœur. Donne-moi, donne-moi, je fais ça, je vais sortir. Je vais prendre la. Je ne suis pas dans vos mouvements là. Hey, hey. Voilà. Comme tu veux. Tu as poussé dans le tifo aujourd'hui, tu vas repousser. Voilà. Vas-y, pas où? Vas-y, dépêche-toi, on va pas sortir. Maman. Mais il faut quand même avoir honte, hein. Hein? C'est quoi? Vous habitez chez Adoua, là, vous construisez les villas, les maisons et tout. Hein? Et vous dites que vous êtes Bamiyeke? Bah, dis donc. Mais attends, non? On vous, a, vous avez peur de bas, vous avez peur d'aller construire pas chez vous. Je m'en fous que le Bamiyeke se fasse avec moi, hein? Rien à foutre. Mais je vous dis la vérité. Il faut être fier de dire que oui, je suis de Tonga. Je suis de banque, de machin. Mais oui, pour une fois. Non, c'est pas que c'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun d'un côté, voilà, pour moi, c'est que le Cameroun d'un côté. Hein? D'un côté, il y a quoi vous fuyez quoi là-bas à l'ouest? Que nous, on n'est pas possible de visiter un peu l'ouest aussi. Mais oui, nous, aussi, on a besoin de dire que quand on arrive au Cameroun, on va aussi filmer un peu l'ouest. On filme Bafang,
on filme au Bafoussam, on filme au Sud-Ouest, on filme aussi, on est content que nos Cameroun. Mais un seul côté, hein, avec tous les entrepreneurs, Bamnike qui est au Cameroun, t'es entrepreneur. Hein? Avec quoi qu'on l'a, c'est vous qui avez tout le Cameroun. Avec comme tout. Et nous, mon argent. Pose ça là. Et nous, mon argent, alors, mamie. Dans mon sac. Attends, je donne. Où est le sac? Je donne de l'argent. L'enfant, c'est. Hey. Et nous aussi, on va aussi voir un peu. On va aussi visiter un peu l'ouest. Pas seulement un côté. Nous aussi, on vient construire un peu là-bas. Vous avez peur de l'Ouest. Vous venez commander des gens chez eux. Aucun Bamnike ne sera président au Cameroun. J'ai dit quoi? J'ai dit aucun Bamnike ne sera président au Cameroun. Vous êtes bien dans le commerce. On vous aime dans votre commerce. Vous avez fait le commerce. C'est vous qui embellissez le Cameroun avec vos immeubles, avec vos grosses voitures et tout. Oui, oui, j'ai vu. C'est tout. Va visiter et va construire. Oh, mais mettez alors l'ouest. Mettez l'ouest pas en haut, non. Hein? Mais on a dit que vous ne visitez pas. Pourquoi vous ne montez pas l'ouest? Nous sommes pour l'ouest. À Facebook, on ne voit pas l'ouest. Vous ne mettez pas l'ouest en haut à Facebook. Hein? L'argent, moi. Voilà, ton argent là-bas. Dis donc. Les cacharets, dis donc. Nous sommes allés mettez. Pourquoi vous ne mettez pas l'ouest? À Facebook. Hein? Nous savons voir l'Ouest, on ne vous voit pas l'Ouest, hein? Oui? Nous savons voir l'Ouest. Hein? Montez-nous sur l'Ouest, non? Va voir là. Qui va aller voir là-bas? Nous, il faut parler. Vous êtes l'Ouest. Vous allez les Ndop. Là-bas, les Bami Power, les Bami qui ont l'argent. Va montez-nous aussi un peu l'Ouest, un peu. L'autoroute qui va à l'Ouest. L'aéroport de l'Ouest, les beaux villages et tout. Montez-nous aussi votre l'Ouest. Vous venez envahir les gens, vous parlez, va voir l'Ouest. Comment je vais quitter les diamants de pour aller voir l'Ouest. Où doit là? Je suis avec vous aujourd'hui. Bon, montez-nous aussi. Hein? Ce n'est pas le tribalisme, hein? Mais il faut quand même dire la vérité. Vous êtes des envahisseurs. Vous pouvez voir l'Ouest dans les téléphones, hein? Voilà alors ce que vous faites. Et quand vous venez chez nous, on doit vous mépriser. Pourquoi que vous méprisez les écans ou les quoi vous méprisez. Vous êtes chez nous, même si on est pauvre, on vous méprise, c'est tout. Voilà le problème que vous ne connaissez pas. Vous êtes chez nous, après tout. C'est tout. Alors, un malgré construit chez moi, même si tu es riche que quoi, tu es chez moi, c'est dans ma terre. Ancestral, donc tu es chez moi, je te méprise. C'est tout. Vous n'allez pas quand même manquer d'exposition chaque temps, parce que quoi. Je vous parle que moi. C'est comme ça. On est parti à Cannes ici, moi. Trois personnes, pourquoi il n'y a que des bêtises qui sont tous dehors. Hein? Voilà une petite vidéo qu'on sort là, que ma chère a fait ici. Pourquoi c'est une bêtise? Et vous alors? Quand je vais me mettre pour vous ici, vous allez comprendre. Ça va recommencer. Gagnon, toi et moi, on va recommencer. Le tribalisme, si tu veux, je m'en fous. Au point où j'en suis, hein, j'en ai rien à foutre de dire ce soir. Vous exagérez un peu. Tu vois, moi, je ne mange pas depuis que j'ai besoin des étoiles là. Si c'est une bande qui parlait là maintenant, hein, les étoiles là arrivaient. Moi, j'ai besoin des étoiles. Hein. Non, toi, c'est toi. Vous dénigrez les gens, vous venez envahir les gens dans leur petite misérable vie, dans leur petite misérable quartier. Vous payez les terrains avec joie, mais vous nous méprisez, non. Non, vous ne devez pas nous mépriser les gens qui vous ont donné les terrains, même si vous avez payé. Non, moi je m'en fous, parler de moi quand vous voyez ma estico, je m'en fous. Moi je me réveille quand je veux, hein. Avec vous, hein. Je me réveille quand je veux, insultez-moi comme vous voulez, je n'ai rien à foutre, rien à cirer. Je suis écam et je dois défendre ma tribu. Seul, pas avec les autres. Parce qu'elles ne me considèrent pas, mais je défends quand même. Pour certains gens qui me suivent, pour ceux je vous laisse, pour que je n'occupe l'enfance. Partagez.